Nous sommes aujourd'hui à Thouin, dans les ateliers mécaniques de réparation des trams. Et nous avons monsieur... Monsieur Henrotin, Michel. Ça fait longtemps que vous réparez des trams ici, sur Thouin ? Ça fait environ une bonne dizaine d'années maintenant. Ça fait une bonne dizaine d'années que le musée du tram existe à Thouin ? Le musée, en réalité, a été ouvert donc l'année passée, dans le courant du mois de juin. Donc, ça fait un an et demi maintenant. Mais le musée a été complètement rénové ? Le musée a été rénové. Vous avez deux parties. Vous avez une partie, donc, atelier. Et ensuite, vous avez une partie, donc, musée proprement dit, donc, où on peut accueillir la clientèle, enfin, où, donc, toute la restauration donc, est mise donc, en valeur à ce moment-là. Ici, nous sommes dans les ateliers. Nous sommes dans les ateliers de passionnés de réparation du tram. Alors, ça demande des compétences particulières ? Des compétences particulières, non. Je crois que chacun met la main à la pâte dans la mesure de ses possibilités, bien évidemment. Dites-moi, pour réparer tous ces trams, est-ce qu'il y a encore des plans ? Est-ce qu'on trouve des plans ? On les trouve sur Internet, peut-être ? Sur Internet, non, mais il y a des plans donc, qui ont été récupérés via d'anciens membres de la SNCV. Tous ces trams sont remis à neuf et sont remis à neuf à l'identique ? Oui. En fait, c'est ça le but premier, c'est de pouvoir remettre le tram comme il était à l'origine, comme il est sorti des ateliers. En Wallonie, nous avions énormément d'ateliers de mécanique et notamment de construction ferroviaire. Vous avez des trams du XXe siècle, des trams du XIXe siècle ? Les principaux trams qui sont ici sont du XXe siècle. Bon, nous avons quelques véhicules, notamment du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle. Ce sont des trams notamment à vapeur. Donc, le plus ancien qui se trouve au musée est de 1887. Donc, c'est une locomotive à vapeur qui est sortie des ateliers de Tubize, donc en 1887. Ensuite, nous avons un tram de 1901, donc avec l'équipement électrique des ASEC. Il y a des trams qui n'existent plus qu'ici, qui n'existent plus ailleurs ? Il y a des trams qui n'existent plus qu'ici finalement, parce que la SNCV a été dissoute au début des années 90. Et les trams qui sont réunis ici, ce sont ceux qui restent donc de toute la flotte de la SNCV, des véhicules de la SNCV qui ont circulé partout en Belgique. Quelquefois, vous allez chercher des vieux trams partout en Europe ? Il y a eu un tram que nous avons récupéré dans la ville de Belgrade, en Yougoslavie, dans les années 80, mi-80. Et en fait, ce sont des trams qui sont partis là-bas en Yougoslavie dans les débuts des années 60 donc pour rouler là-bas. Et nous les avons donc récupérés en 85. Donc. Mais essentiellement, ce sont des trams belges. Ce sont des trams belges, oui. Donc toutes les constructions qui sont ici sont d'origine belge. Passer tous ces week-ends à réparer des trams, le terme fou de mécanique s'applique ici ? Fou de mécanique, je ne vais pas jusqu'à dire ça, mais nous sommes des passionnés et nous essayons de faire le mieux que nous pouvons et donc remettre les trams en l'état comme ils étaient au départ. Donc voilà. D'accord. Il vous reste encore combien de demoiselles à bichonner dans cet atelier ? Je crois que le travail est toujours complet, quoi. Il y a toujours énormément de travail effectué. Et je crois que pour nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, il y aura toujours des trams à restaurer. Merci beaucoup et bonne journée. Je suis actuellement dans cette motrice, dans ce tram venu de Belgrade et racheté à coups de millions à la SNCV. Ce tram a demandé de nombreuses heures, évidemment, de réparation, de nombreuses heures de mécanique. Peut-être que dans quelques années, il prendra lui aussi le chemin des rails, le chemin du rail vicinal touristique de la ville de Thouin. C'est tout le mal que l'on lui souhaite. Je vous propose maintenant une petite visite guidée de la ville de Thouin. En tram.
popular.